On ne comprend pas les paroles, mais quand vous regardez avec des airs polonais. Là, on va jouer un morceau que j'ai. Les gens me disent composé. Non, j'ai pas cette prétention. Toutes les musiques qu'on fait, en gros, c'est à l'oreille. Juste avec nos oreilles. Moi, j'ai appris parce que mon grand-père, le père de mon oncle, jouait de l'harmonica. Mon père en jouait. Il bouffait des mesures, c'est pas possible. Ça, j'arrive à le faire. Donc, c'était très approximatif, mais je m'aperçois maintenant que c'était quand même vivant. Et c'est ça qu'on aime. Donc on va faire un morceau que j'ai fait qui s'appelle Jenny's Jig. Est-ce qu'il y a un morceau qui sera joué tout à l'heure par Jean-Claude qui s'appelle Jenny's Chicken, qui est irlandais. Et moi j'ai voulu garder un bout du nom. Et c'est un morceau qui est inspiré de la musique écossaise. Si vous avez envie de faire le bourdon c'est le truc que vous avez entendu tout à l'heure, c'est un son. T'es censé le faire au piano là. Il y a un gars qui a dit, il y a un musicien de blues qui a dit à l'autre, ils jouent ensemble, c'était des grands. Et je crois que j'ai fait une erreur. L'autre lui a dit, le blues, c'est de toute façon une erreur. Donc là, Pépette est souvent dans l'erreur. Mais il se rattrape bien. Donc le bourdon, j'ai fait ça un petit peu en pensant aux cornemuses. C'est-à-dire, vous avez un son de base. C'est le son de base. Si vous vous organisez, vous devez pouvoir le tenir si vous ne le faites pas tous en même temps. Et à un moment donné, vous verrez que ça change. Non, ne faites pas des conneries. C'est sérieux. Ouais. Olivier fait plein de fausses notes avant les concerts parce que je l'énerve, parce que je suis un peu comme ça moi. Puis lui il est là, puis il me dit fais pas chier Bruno. Et il fait plein de trucs à la ramasse, des notes que j'ai jamais entendues. Puis qu'est-ce que tu fais? Il dit j'enlève toutes les mauvaises notes du jeu. On va pas tout raconter ce soir. Vous avez je sais pas si c'est le feu et la glace ou la glace et le feu. Il y a un anglais et un français. C'est l'anglais. Je vous assure. Mais il y a quelque chose qui nous rapproche. Et il peut faire tout ce qu'il veut, on sera toujours amis. Il le sait. Donc, à un moment donné, ça va passer sur une autre note. Si vous êtes intelligent, vous devriez la trouver. Donc, ça s'appelle Jenny's Jig. Et après, un morceau d'André Bouchard s'appelle Hommage aux ancêtres. Parce que la musique, elle vient de quelque part. C'est comme ça pour nous. C'est une musique qu'on joue. Le plaisir, c'est de jouer les musiques d'il y a 150 ans. Et les gars, vous ne me laissez pas poser tout seul. Vous avez le droit de Donc, pour le bourdon, on peut le faire entendre. Et on se répond. On fait deux fois. Thank you.
idée de ce qui se passe.